Alors autre chose dont on a eu un problème tout à l'heure. Quand on sélectionne le calque, d'abord je vous avais dit ne mettez pas l'effet de symétrie sur le calque. Donc quelqu'un l'avait fait par erreur et ça a posé des problèmes. Il faut toujours le mettre sur le groupe, on ne met jamais des effets sur le calque. Et alors ce qu'on avait tout à l'heure, c'était un truc particulier, c'est que quand on sélectionne le calque, avec la petite cible ici, et qu'on va voir dans la palette aspect, fenêtre, aspect, il y avait au niveau du contenu ici des contours qui avaient été ajoutés. Je vais essayer de resélectionner le calque, voilà. Alors je ne sais pas comment ça se fait, il y avait un contour qui avait été ajouté, voilà comme ça. Le contour, il est sur le calque. C'est extrêmement mauvais, sauf dans certains cas, quand on veut dessiner des plans, par exemple d'accès, vous allez voir que ça peut être intéressant. Mais donc ça fait quoi? Ben, ça fait que ce contour qui est mis au niveau du calque, il va se répercuter sur tout ce qui se trouve en dessous de lui. Alors je vais choisir ici cette couleur bleu foncé, je vais mettre une épaisseur comme ça, voilà. Ok, donc tous les tracés qui sont dans le calque reçoivent ce contour. Ça veut dire que si j'essaye de modifier les tracés au niveau des objets, ils vont être derrière le tracé qui vient du calque. Donc par exemple ici sur l'oreille, là, j'ai un contour noir. Je vais essayer avec le nuancier de le mettre en jaune par exemple. Voilà, comme ça. Contour jaune. Ça ne se voit pas. J'augmente l'épaisseur. À un certain moment, il est tellement épais qu'on le voit, parce qu'il devient plus épais que le contour qui a été mis sur le calque. Donc vous voyez le problème? Faites attention à ça. Ne mettez pas. Et aussi sur un groupe, quand on met des contours sur un groupe, ça se répercute sur tout le contenu du groupe. Donc c'est une espèce de hiérarchie en cascade. Donc on évite ça en fait. On évite absolument de mettre des attributs sur les groupes et sur les calques, sinon on ne s'en sort pas, à moins qu'on ait une bonne raison de le faire. Donc ici, je vais retourner dans la sélection du calque, dans la palette aspect. Je vais aller retirer le contour. Voilà. Et donc là, pas de problème, on voit bien au niveau de l'objet. Au niveau de l'objet oreille ici, on voit bien ce qu'on voulait avoir. Ben, c'est pour ça que l'illustrateur n'est pas toujours évident à comprendre en fait, hein, parce que voilà, c'est moins simple qu'il n'y paraît. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille vraiment d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Toutes les 5 minutes, n'hésitez pas. Hein, maintenant on a des disques durs qui coûtent rien et qui ont des capacités énormes. Allez, un disque dur de 2 Tera, 2000 gigas, ça coûte combien maintenant? 80 euros? Oui. Moi, quand j'ai commencé au milieu des années 90, je me suis payé un disque dur de 0,75 giga, donc 750 mégas. C'était 1000 euros. Vous voyez un peu l'aversion. À l'époque, il fallait faire gaffe. On enregistrait sur des bandes magnétiques, tellement ça coûtait cher les disques durs d'ailleurs, pour archiver. Mais maintenant, il n'y a plus de raison. Vous enregistrez régulièrement vos travaux sous des noms différents. Comme ça, vous avez, au cas où ça foire, la version d'avant. Et alors aussi, réseauter. Si vous coincez dans votre fichier Illustrator, demandez à quelqu'un qui est aussi en train d'étudier, qui est au même niveau que vous, avec qui vous pouvez collaborer d'ailleurs, pour certains travaux, demandez-lui, tiens, ce fichier-là, est-ce que tu comprends ce qui foire dans ce fichier? Voilà, ça peut vraiment aider. Plutôt que de rester seul, et alors il y a évidemment sur le web les forums. Vous seriez étonné à quel point les gens sur le web sont dans l'esprit web 2.0 encore et sont prêts à vous dépanner malgré que vous ne les payez pas pour ça, quoi.